Allô ma chérie, c'est toi? Oui, c'est bien moi, comment vas-tu? Très bien ma chérie. Que va-t-on faire aujourd'hui? Je te l'ai dit l'autre jour, on va faire des tables de jeu. Super mamie, ça te convient si je viens vers 14h? Parfait ma chérie, je ferai ma sieste avant. À tout à l'heure mamie, bisous. Ah mais vous étiez là, petit cachotier. Donc je pars chez mamie, ensuite je vais au studio et je vous montre tout simplement ce que j'ai pu apprendre. Donc à tout à l'heure les amis! Ici le studio, que puis-je faire pour vous? Bonjour, c'est Hello, j'aimerais que ces deux plateaux 27, s'il vous plaît. Très bien, Hello, je vous ouvre. Parfait, merci Paul. Donc les amis, pour cette émission, on se retrouve pour des tables de jeu, donc des billards, des tables comme si on était au casino, etc. Donc toutes ces petites choses. Donc je m'arrête là sur le blabla et c'est parti. Alors, le premier pattern de billard que je vous propose, c'est tout simplement, vous allez utiliser des hoppers. Donc hop, vous allez en mettre deux ici, vous allez espacer de 1, remettre deux ici. Vous allez mettre des petites dalles de chêne noir ici, et vous êtes simplement posé des carpettes vertes ici. Et là, par exemple, sur votre mur, vous mettez des item frames avec des sticks, histoire de faire bah, vos bâtons de billard, tout simplement. Donc voilà pour la première idée. Donc le deuxième design de billard est tout simplement celui-ci, donc on va mettre un petit hopper ici, on va espacer de 1, là vous allez espacer de 3 comme ça, là vous allez mettre tout simplement, non, de la laine verte pardon, hop comme ceci sur le contour, hop vous allez en mettre une ici, là vous allez mettre des petits items frame histoire d'améliorer un peu l'aspect, hop comme ça, tac, de chaque côté, ici vous allez mettre tout simplement un panneau. Vous allez mettre des carpettes au-dessus, comme ça va symboliser la queue de billard. Hop, là vous posez des carpettes. Et si vous voulez, vous pouvez aussi en poser là sur les hoppers. Moi je le fais pas, mais après vous pouvez. Donc il y a une chose qui peut être sympa également, c'est tout simplement ici de symboliser une boule de billard. Donc pour ça, vous allez mettre un en dessous, une, deux, trois couches de laine. De laine, de neige, pardon. Vous allez mettre un item frame. Vous allez mettre un fil ici. D'accord? Là, vous allez prendre tout simplement un piston et un levier. Tac. Comme ceci. Non, le piston n'est pas bien mis. Comme ceci. Vous allez l'actionner. Et voilà. Et comme ça, vous avez comme si vous avez la queue de billard posée dessus et une petite boule. Donc voilà pour ce design. Donc pour le troisième design, les amis, c'est celui-ci. Donc tout simplement, on va faire à peu près la même chose. Donc vous mettez un hopper, vous espacez de 1, vous espacez à nouveau de 3, comme ceci. Et là, vous allez mettre tout simplement plusieurs panneaux, donc 3. Hop. Là, vous allez prendre des petites dalles de chêne noir que vous allez mettre comme ceci. Tac, tout autour. Hop, hop. Toi, tu te mets là. Toi, tu te mets là. Et au-dessus, on va poser des carpettes, tout simplement vertes, hein, un billard sévère. Et comme ça, on a vraiment la queue du billard qui est vraiment symbolisée sur le billard et de façon plus grande parce qu'une queue de billard est quand même assez longue. Et on va mettre des panneaux tout le long, tout simplement, pour améliorer vraiment bah, l'aspect du billard et le contour. Donc celui-là, c'est l'un des designs que je préfère en vrai. Je le trouve assez sympa. Après voilà, je vous ai montré différentes façons de faire pour un billard, histoire de voilà que vous ayez des idées différentes. Et après vous faites en fonction de ce qui vous plaît, les amis. Donc voilà pour cette troisième idée. Alors la quatrième idée, c'est tout simplement de faire une petite table de jeu. Donc là, vous voyez, j'ai mis un pot pour symboliser comme si on jouait au Yams. Je sais pas si vous connaissez, c'est le jeu de dés en fait. On a 5 dés, on doit faire des combinaisons de chiffres et tout pour gagner. Donc voilà, il faut mettre deux laines comme ceci. Et on va faire 5 blocs de long. 2, 3, 4, 5. Tout autour, on va poser des trappes de chêne comme ceci. Hop. Hop là, comme ça. Tac. Tac, tac, tac. Et tout simplement, bah, autour, on va disposer des chaises. Hein. Donc hop. Hop, comme ça. On va mettre des petits item frames sur les chaises pour faire des accoudoirs. Hop, comme ça. Tac. Et voilà. Et on va poser un petit pot de fer pour symboliser le pot. Donc voilà pour cette idée. Donc la cinquième idée, tout simplement une table où il y a une roulette et tout, comme si on était au casino. Donc vous allez mettre deux blocs de laine comme ça, vert. Vous allez mettre deux blocs noirs de laine, deux blocs rouges.
Autour, on va également mettre des trappes de chêne. Hop, comme ceci. Hop. Tac, tac. Tac et tac. Et là, vous allez mettre tout simplement des rails pour faire l'endroit où il y a la roulette. Voilà, tout simplement pour cette idée, les amis. Alors, la sixième idée est toute bête, les amis, est toute simple. Tout simplement, je vais utiliser un bloc de musique et je vais mettre des chaises de chaque côté avec des panneaux dessus. Comme ça, ça peut symboliser une petite table, comme si... Moi, ça fait penser un peu à un échiquier, comme vous voyez, ça fait des petites cases et tout. Ça n'a pas la couleur, mais pour moi, dans mon imagination, c'est comme ça que je vois les choses. Donc voilà pour l'idée. Donc voilà, je vous ai montré toutes les idées que j'ai eues par rapport à un peu un thème de casino, de table de jeu. Donc j'espère que ça vous inspirera et que vous aurez trouvé des idées assez intéressantes. En attendant, laissez des retours dans les commentaires pour voir un peu si ça vous a plu, etc. Voilà, moi je prends du plaisir à faire cette émission parce que j'ai vraiment beaucoup d'idées encore en réserve. Mais ça attendra pour de futures émissions. Donc en attendant, portez-vous bien. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais des bisous et bye bye à tous. Émission télé présentée par Hello. Vous pouvez également la retrouver sur la chaîne Hello MC. N'hésitez pas.